Oh, j'ai de la glace. Oh, c'est de la glace. Ah oui, c'est pour ça qu'ils disent. Et ce froid. Parce qu'en fait, ils vont nous faire un Ocarina of Time bis. On va aller voir de ce côté-là. Je sais pas si je devais pas rentrer dans la maison plutôt, mais bon. Au pire, on va découvrir un autre truc. J'ai l'impression de faire tout et n'importe quoi. Le village Zora. Et voilà. Waouh! Comme quand on Oh l'avait non, la laissé dans Ocarina of cascade! Time, tout gelé. Voilà. Hé, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je trouvais qu'il faisait un peu frisquet, mais de là à ce que tout soit emprisonné dans la glace, il y a une marge, kikiki. C'est censé être les villages des Zora ici, non? Pourtant, il n'y a personne. Va donc voir ça de plus près et tâche de trouver les Zora. Certes, ma grande, certes, bah, je vais essayer de les trouver, hein. Attends, je pense qu'ils ont eu le même destin que dans Ocarina of Time. Soit ils ont fui, soit ils sont sous mes pieds, en train de tester la cryogénie. Bon, par contre, toi, voilà, tu dégages. Cryogénisation. Ça nous arrange plutôt que tout soit gelé. Essaye de grimper par là. Marrant, ça fait vraiment. Si on a joué à Ocarina of Time juste avant, on pourrait croire que C'est clair. c'est la suite. C'est un C'est vrai remake. que quand on était adulte, là, dans le domaine Zora. Et eh ben ça. Ah, je peux pas. Si, je peux. J'espère juste ne pas m'en prendre un sur le coin de la gueule. Mais dans Majora's Mask, ils avaient été un petit peu plus. Quoi? Mais quoi? Il a glissé tout seul ce trou de cul. Putain, ça pue le game over. Je m'en souviens de tomber ici. Ça tombe, mais genre, tu sais pas pourquoi. Pourquoi je suis tombé? Oui, ça fait penser. Je disais que dans Majora's Mask, ils avaient été un petit peu plus imaginatifs. Ils avaient gelé les Gorons plutôt que les Auras. Ouais, si on peut appeler ça imaginatif. Bah, Non! Je fais rien pour ça, je vous le jure. Voilà. Et là, j'ai pas le droit de me prendre un seul coup. Donc, je serre un peu les fesses. En espérant pouvoir voir la scène. Et après, si vous voulez, je meurs, y a pas de souci. Mais laissez-moi au moins voir. Oh putain! Vous restez là, les deux. Restez là, les deux. Non, non! Non, 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 vous restez là. Va voir. Mais putain, non, 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 non! Voilà. Toi, tu crèves. José et Robert, venez là. Viens là. Viens là. Hop, hop. Voilà. Yeah! En loup, c'est quand même beaucoup plus simple qu'à l'épée. Je pense que j'aurais pu, là, les trois que j'ai essayé de batailler sur le pont. Mais ça demande un timing et surtout une connaissance de leur barre de vie que moi j'ai pas. Hein. Je sais pas combien de coups d'épée il leur faut. Bon, il y a un portail ici, moi aussi, maintenant. Tu vas pouvoir te téléporter d'ici. Si tu veux respirer à nouveau l'air pur du monde de la lumière, fais-moi signe. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau! Ah! Le cimetière du domaine Zora, ils sont tous C'est gelés. super glauque! Et ça a dû geler vite, parce que les mecs, ils étaient en train de nager, pépère, et tout d'un coup... Tu as vu ça? On dirait des Zoras surgelés. Eh oui, c'est Findus, ils sont aussi passés par là, décidément. Findus, c'est la grosse multinationale de Mais ce non, Zelda. c'est les bâtonnets de Dans Captain Majora's Mew! Mask, c'était KFC, bah là, c'est Findus. Quand même, c'est très bizarre tout ça. Je me demande bien comment c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire? De ma saucisse. On ne peut pas les laisser comme ça. Tu ne pourrais pas essayer de dégeler ces auras? Il suffirait de faire fondre toute cette glace. Tu sais quoi? Rendons-nous ailleurs pour que tu puisses réfléchir à la question. C'est un peu glauque ici. En plus, comme maintenant on peut se téléporter ici, on peut aller chercher ce qu'il nous faut ailleurs. Est-ce que je t'ai assez bien expliqué qu'il va falloir se TP et ramener quelque chose ici? Ah, il y avait. Laisse-moi te le dire une troisième Il fois. n'y avait pas une espèce de stèle là chez les Gorons? Regardez! Le trône de fer! Hop, un petit pipi dessus. Même si mon Linklou est vachement fatigué. Et en effet, Cinéa s'est bien souvenu. C'est On la va petite regarder stèle. ceci. Et on va se diriger. Oh, Sukhoi! Je comprends rien à la map, c'est par où? Non, je veux pas me téléporter là. Mais Il a fait non! oui. Mais je me TP au même endroit où je suis, c'est con, on devrait pas pouvoir ça. Ça devrait être interdit par la loi. Oh mon J'ai pas Dieu. l'air con là. Impossible de se TP. Ah, peut-être qu'il y a parce qu'il y a un ennemi. Tu penses? Ouais. Va crever! Tu m'empêches de me TP! J'ai failli mourir. C'est good. Voilà. Mais alors, comment j'ai Zoom-moi. fait? Ah, mais d'accord, mais pourquoi vous faites pas une map globale? C'est ouf ça! Montagne de la mort. Cocorico, non, c'est Montagne de la J'imagine mort. Montagne de la Mort. Je me souvenais pas que c'était aussi peu ergonomique les menus. Franchement, je sais pas si je suis le seul, dites-moi dans les commentaires. Vous allez dire, ah, oh, mais t'es un vieux poulpe, c'est pour ça. Mais franchement, là, mais je lutte!
Je lutte tellement pour réussir à faire mes trucs, c'est hallucinant. Donc voilà, on a eu cet énorme truc qui a failli nous tomber sur le coin de la gueule. Et il est là pour une raison. Alors vous savez ce que je vais faire juste avant? Je vais me permettre un petit passage. Alors bah, j'attends juste que ça termine de se vapoter. On va passer par là, on va vite fait se tremper les pieds dans la source d'eau chaude des Gorons. Hop là! Mais non! Dans Ocarina of Time, ah c'était pour monter, si tu peux pour tomber! En fait, je joue pas assez régulièrement à ce Zelda, je crois, pour réussir à m'imprégner des contrôles. Ah! Et on va attendre là un petit peu. Ah, on n'est-il pas bien? Dis donc, on dirait le bébé Goron de... J'avoue. Sauf que là, il est en train de se noyer, là. Faudrait c'est peut-être faire quelque chose. On dirait un canard, un peu. T'as vu sa bouche? Il me regarde un peu bizarre, mais je crois que là, rien ne va plus. Regardez, ils sont mignons, ils sont en train de se laver le visage. Toi aussi, t'es mignon quand tu nages. Voilà. On va éviter les game over à la con. Déjà, là, je vais me faire mal. Oh, ouais. Même pas, quelle délicatesse. Allez, dis-moi tout, Mina. Il est encore ardent le truc, pourtant ça fait genre 3 jours qu'il est tombé. Tu as une idée? Téléporte-le. On va le TP ici, dans le village des Zoras. On va leur faire tomber ça sur le coin de la gueule, je pense que ça leur fera plaisir. Les pauvres Zoras surgelés là, dans le lac, ils vont se prendre ça dans la besace. Elle a de la puissance hein, pour TP un truc comme ça. Ça c'était un truc pas mal, n'empêche qu'ils avaient eu l'idée de téléporter des choses dans le monde pour les faire interagir avec d'autres. Mais je crois qu'après ça, ça devient rare, voire ça n'arrive plus. Je me souviens pas après qu'on TP d'autres objets de ce genre dans l'Est de l'aventure. Mais en tout cas c'était une bonne idée, ça faisait travailler un peu les ménages. Parce que pour ceux qui se souvenaient pas du tout de ça par exemple, et bah ça pouvait lutter. Alors peut-être qu'après Mina nous donne des infos de dingue. Moi je suis trop fort, je me rappelais trop. Bon là on vient de tuer 40 Zoras parce qu'ils sont tous pris l'espèce de machin ardent en plein sur la gueule. Mais au moins, contrairement à Ocarina of Time où on a beau finir le temple de l'eau, le domaine reste gelé. Là on lui rend un peu de sa vigueur. Là on a même pas besoin de finir le temple qu'on a déjà tout dégelé. Et ouais, c'est ça la beauté de la chose. Et voilà, ils sont tous crevés. Elle était pas mal faite, l'eau. Même ouais. Si je crois que dans un épisode précédent, j'ai dit qu'elle avait vieilli. Par contre, le caillou, je me demande où il est passé. Hein. Qui aurait pu croire qu'un truc aussi dangereux puisse être utile? Bon, les auras sont sauvés, je pense. On peut repartir. Wow, la glace a fondu et l'eau coule à nouveau. On va pouvoir rendre visite à l'esprit près du lac Ilia. Certes, et regardez les auras. Bon, alors, elles sont dans un sale état. Et regardez leur design. Bon, alors, attendez, je vais essayer d'en trouver un autre. Bon, lui, il se tient la tête, mais... Ils ont changé quand même. Ils ont fait un nouveau design avec leur espèce de truc à l'arrière, là, de queue de poisson sur la tête. Mais franchement, je les trouve sympathiques, ces auras. Je trouve que leur design a été bien revu. Bon, les Gorons aussi, hein, ils sont pas laids, hein, les Gorons. Mais là, en tout cas... Oh, le truc, c'est les pauvres poissons qu'on vient de sortir de l'eau, quoi. Les pauvres. Bah, c'est pas ma faute, moi, j'ai rien demandé. Un instant. Objection. Ah non, c'est pas pour moi. C'est la sérénade de l'eau. Je dois te remercier d'avoir donné la vie à mon peuple et à cette source qui alimente tout Hyrule. Mon nom est Lutera, c'est ça? Je suis à la tête du village des Zoras et également la reine de mon peuple. En fait, on n'a pas vraiment fait ça pour vous rendre service. La pute. Après l'attaque du village par les créatures des ombres, celles-ci m'ont condamné à mort afin de faire un exemple pour mon peuple. Et c'est trash parce qu'elle est vraiment morte, quoi. Elle s'est peut-être fait découper la tête, qui sait. Toi qui peux prendre l'apparence d'un noble animal, je voudrais te confier une tâche. Lors de l'attaque de nos terres, j'ai dépêché mon fils Lars vers le château d'Hyrule afin qu'il avertisse la princesse Zelda. Mais je crains que le danger ne l'ait rattrapé. Je le sens, sa présence s'affaiblit peu à peu. Cependant, il n'y a plus rien que je puisse faire à présent, pas même donner ma vie pour mon fils, vu que j'en ai pas deux. Alors je t'en conjure, tu dois sauver le prince Lars. Si tu y parviens, je t'octroierai la protection de l'eau. Ce pouvoir te permettra de te mouvoir librement dans les eaux profondes, comme le font les auras.
Je t'en conjure, sauve mon fils. Bah, on l'a vu, ton fils, il était mal en point. Si on le sauve, tu obtiendras le pouvoir de nager comme Azora. Comment est-ce ça, t'sais? Quoi, il va m'apprendre à nager? Je pense que j'ai déjà montré que je pouvais nager très bien. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, le héros? Mais ne va pas voir le prince sous ton apparence de loup, hein, kikiki. Bon, je suppose que tu n'es pas pressé de rentrer dans le monde de la lumière, pas vrai? Bah, c'est surtout que pour l'instant, je peux pas trop, vu qu'il faut que je trimballe mes espèces de boules de lumière, là, que je les trouve un peu partout. Et il faut surtout, c'est que je vois que je trouve le calice, que je vois l'esprit, même si le clown nous l'avait déjà indiqué, hein. C'est-tu pas beau? Alors, je sais pas si c'est de la flotte ou si c'est les retombées de la cascade, mais... avec le brusque retour de l'eau, le courant est devenu très violent. La rivière mène jusque là qu'il y a. Ça te dit de profiter du courant? Mais oui, j'ai pas besoin de toi pour me dire ça. Oui. Yeah. Ça va 3 fois plus vite, même si ce n'est pas plus que quand on dévalait l'acheminement jusqu'au village Zora dans Ocarina of Time. Où il y avait même des rubis dans le truc. Là, au moins, ça ressemble à un lac. Le lac, il y a. Ils ont repris pas mal d'éléments d'Ocarina of Time. En même temps, il fait partie des suites. Donc, dans la chronologie officielle, qui veut trop rien dire. Ça y est, tu es réveillé? J'ai comaté dans l'eau. Regarde, on s'est fait emporter par le courant jusque là qu'il y a, comme je l'avais dit. En bonus, on a l'air d'être sur le pas de la grotte de l'esprit du coin. Kikiki, quelle chance! Allez, allez, ce n'est pas le moment de bailler aux corneilles. Bailler aux corneilles. Qui utilise cette expression encore? Nintendo. Nintendo France, ils se sont dit, ah tiens, c'est pas mal comme expression. On va parler juste vite fait à lui, que histoire d'avoir le calice. Je suis le dernier esprit de la lumière à être prisonnier du crépuscule. Héros, élu des déesses, tu es venu à point. Retrouve la lumière dérobée par les... Ah, j'ai des remontées. Par les créatures des ombres, ceci te servira de réceptacle. Et le retour des boules. En tout cas, on en a trouvé une déjà dans le château d'Hyrule, ça c'est plutôt pas mal. Même si je suis pas sûr... Ah si, ça fait aussi le château en fait. Ça va être très large là pour trouver les insectes. Les insectes des ombres qui ont dérobé la lumière ne te... Dans ils le crépuscule, ce monde des ombres, les insectes des ombres, ne peuvent être vus tout comme les humains. Récupère ma lumière pour libérer les dernières terres d'Hyrule encore sous le joug du crépuscule. J'ai l'impression que vous dites tous la même chose un peu quand même. C'était exactement le même blabla, etc. Est-ce qu'on fait là cette quête vite fait en mode montage coupé, histoire que je... C'est combien de temps, mademoiselle? 56 minutes, on va faire ça. En gros, dès qu'il y aura des espèces de machins, je mettrai la cam, sinon on coupe tout ça dans le gigot. Je pense pas que ce soit très intéressant pour vous de vous les montrer. Hop! Et le 1. Lol. Bon, bah finalement, je vais pas tomber que sur des insectes apparemment. On va pouvoir se TP ici. Comme vous l'avez compris, hein, TP, non pas Twilight Princess. On va pouvoir se téléporter un peu partout dans Hyrule grâce à ces petits portails. Ok, toi tu m'agresses pas comme ça. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Alors attendez, on va voir comment ça s'organise là, la rébellion. Je pense que vous deux... Ah non, mais je suis con! Annule! Putain! Mais là je peux plus! C'est dommage qu'on puisse pas annuler des attaques qu'on a en préparation. Ce résultat, je fais du caca. J'ai oublié qu'il faut que je termine avec 2 et non pas avec 1. Hop! Toi, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Allez, viens là, espèce de métalleux, là. On dirait des métalleux. Ils font même des mouvements de main, là, comme ça, quand ils essayent de me taper. Et un nouveau slash TP. Oh! Et le deuxième! Ils sont revenus. Les auras du dimanche. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que... De quoi qu'est-ce que c'est que ça? Mon cul en 3D. Oh! Il est là-bas. Il virevolte. Il est beau. On dirait un petit papillon tout mignon. Ah! J'ai même pas laissé une chance. Oh putain! Il y en a là-dedans. Ah messieurs dames, j'étais en train de chercher comment remonter le truc. Oh là 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 là.
Non. Mais non, mais t'es un trou de cul, putain, Link. Ah, ouf. Eh, franchement, j'ai cru que j'allais me retaper tout le truc à faire et tout. Heureusement, ils nous remettent par là. Mais quelle idée de foutre des insectes là-dedans, quoi. C'est tellement étroit et c'est tellement pas maniable comme truc. Hop. Et de 1. Il en reste 2, là, je vois, sur le chemin. Oh, putain. Vous avez vu, faut pas qu'on se cogne de trop. Sinon, Linklou, il craque en deux, là, et il tombe comme une bitch. Alors, attendez, où ils sont? Ils arrivent, là. Ah, c'est bien, ça reste tombé. Ah, attends, ils sont où, là? Ça arrive, là. Ah, ok, il y en a un, là. Je pense qu'ils sont assez visibles, mais bon. Hop. Ah. Heureusement que j'avais un peu de skill. Oh. En parlant à la madame qui en manque de chaleur humaine. Bon, Ciné avait la flemme de doubler. Hop. Non, j'étais juste choquée. Hop là, et de une en plus. Et je crois qu'il y en a quatre après dans les trucs... Alors, petite interlude, je vois ça qui traîne, on va le faire, avant que vous me disiez « Oh, mais Bibi, vous !» Mais je m'en fous de ces deux âmes-là, là, je vois ça, moi. Ça vous rappelle rien non plus, ce chant? Soit dit en passant, un de mes chants préférés de Ocarina of Time... À peu près. C'est le chant de... Le requiem des esprits d'Ocarina of Time. Ah merde, il faut que je le hurle. Bon alors ça c'était mon timing pourri. Ah non, c'était le vrai. Je me suis dit non, finalement c'est l'air propre. Ils sont même pas bien dans le rythme. Ils étaient légèrement au-dessus du rythme de la chanson. Je vais t'initier aux techniques des héros de jadis. La lame à la main, mets-toi à ma recherche. Oui. Et voilà, en fait, c'est lui qui est le loup doré, là, qui va en fait nous apprendre toutes les bottes du jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder ses stèles, mais je savais pas que je pouvais le faire si tôt dans l'aventure, j'avais zappé. En fait, il nous l'indique, mais c'est tellement petit, mais mettez-nous un gros truc, là, j'ai l'impression de ne voir rien. En fait, il est là, donc il faut que j'y retourne humain ici. Voilà, ce sera le truc, et comme ça, j'aurai une nouvelle botte à prendre. Oh putain. Je n'arrive pas à finir ma quête, là. Je suis toujours interrompu toutes les deux secondes pour... Tiens, en fait, un portail ici, ce serait peut-être pas mal aussi. À chaque fois, on m'envoie trois crottes. Ils pourraient m'augmenter la difficulté en m'en mettant 4, ce serait plus rigolo. C'est toujours le même pattern de match. Ouais, ah bah une fois qu'on connaît, hein, il suffit, voilà, on va taper le isolé, hop, on tape les deux, et on peut stepper, c'est magnifique. Bon, en même temps, ça va nous aider, parce que c'est vrai que c'est un peu relou des fois de naviguer par là en se tapant toutes les sections, tous les temps de chargement. Au moins là, vous pourrez vous TP ici et là. Ça va vous faire gagner un petit peu de temps. Bon, elle était toujours bien morte, donc ça, c'est toujours ça de prix. Alors, par contre, est-ce qu'il n'y en a pas une autre là? Parce que ça me paraît bizarre, moi, cette histoire. Il y a par là, trou de fesses. Déjà que vous m'emmerdez. Oh, allez, go! Boum! Vous m'emmerdez assez déjà là, à vous trouver partout. Heureusement, messieurs, dames, je vous rassure, c'est le dernier calice à faire. C'est le dernier calice, c'est la dernière fois qu'on va devoir trouver des espèces d'insectes bleus pour restaurer la lumière. Après, tout sera good dans le monde d'Hyrule. Oui!
Et en fait, je sais pourquoi il nous en manque un, si on fait les comptes. Allez, sors. Voilà. Donne-moi ton âme et ta vie. Je l'ai prise ? Oui. J'avais pas vu. L'autre, elle se trouve ici. Mais franchement, les maps, alors je sais pas si c'est lié à la HD, mais on voit vraiment que Pouic. Hein. Là encore, on voit bien la petite bulle tout en bas à gauche, mais c'est tellement, tout est tellement petit. C'est vraiment pas zizi. Est-ce qu'ils vont me dire, elle ? Hein ? C'est bizarre. Il en manque une. Où est passée la dernière perle ? Moi, je la vois. Quoi ? La voilà. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment bizarre. Elle est ici. C'est bizarre, on en vient et pourtant il se passait rien. Si on retournait, il jetait un œil. Je me rappelle plus du tout de ça, moi. Eh oui, ils se sont dit, vu que c'est la dernière fois qu'on leur fait ce passage chiant avec les insectes, eh ben on va leur en mettre un méga chiant à la fin. Regardez, il y a l'orage qui tombe. Heureusement, j'ai mes 6 cœurs, donc normalement, ça devrait aller. On va aller jeter un œil là-bas. L'ambiance toute sombre que ça fait, toute dégueu. C'est parti, mon kiki. Il y a même des caisses, ils sont gentils, hein, des caisses pour faire genre... Des caisses vides. Sauf que moi, ce sera des caisses vides, donc clairement, j'en ai rien à foutre. Arrêtez de péter dans l'eau. C'est pas creepy comme truc. Oh, il est beau. Ah, lui, c'était le dominant de la portée. Lui, il a bien mangé, il est non, bien dégueulasse. Non, on dirait un avale-tout avec un mélange de... Attention. Tu sais, l'espèce de larve qui avale tout. Hop, et là, on vient lui bouffer le téton. Miam. C'est dégueulasse. Même en loup, j'irai jamais foutre. Attention, je sais pas trop ce qu'il veut nous faire faire. Je me souviens plus de ses patterns, je vous avoue. Je crois qu'il peut nous jeter par-dessus bord. Wopopo. Ah, dommage, t'aurais pu. Non, je pense pas, faut vraiment voilà, qu'il me fasse son truc là. Non. Hop. J'en ai rien à foutre. Par contre, il me fait 2 cœurs, donc il va falloir que je fasse gaffe quand même. Je sais pas si c'est toujours comme chez Nintendo, 3 coups. 3 petits coups et puis s'en vont. Juste essayer de bien le garder en vue. Histoire qu'il nous la mette pas à l'envers. Et dégueulasse, jamais j'irai foutre un coup de croc dedans. Hop, attention, on va à droite, vite fait. Est-ce qu'il... Ouais, c'est good. Yeah. Allez, est-ce que c'est la dernière? Et non. Ça me fait penser à un boss... Oh. Oh bah, ok. Ah non, non. Non, monte. Hop là, est-il Jésus. Je marche sur l'eau. Trop fort. Et j'ai gobé les mamelles. Il a pas aimé. Oh la tête. Oui, je disais, on dirait un avale-tout, là, tu sais, comme dans Ocarina of Time et Majora's Mask, les espèces de larves qui t'avalent et qui te piquent tes rubis, là. Oh, les puddings. Ouais, les puddings, on dirait un mélange d'un pudding avec... Ouais. Moi, je trouve que ça ressemble à un gros insecte dégueu, ouais. Non, ça me faisait penser à un boss dans Resident Evil 4, pareil, on est sur un lac et il faut le harponner. Yeah. Mais attention, scène chelou incoming. Vous avez rempli le calice de lumière, vous avez ramené la lumière sur ces terres. C'est joli. Tu dois absolument trouver le dernier cristal d'ombre. Kiki, à plus. Le conseil dont je me serais bien passé, je savais très bien ce que j'avais à faire. Et l'autre, elle vient quand même nous dire, au fait, t'as pas oublié que la quête... Alors, souvenez-vous des anciens sages qui étaient assez sympas, assez imposants et tout. Lui, il est bigasse. Et là, vous avez un gros serpent, mais qui a l'air complètement goofy. On dirait le serpent dans... Dans le livre de la jungle. Dans le livre de la jungle, là, et confiance, croire en moi. Qui était doublé par le doubleur d'Astérix, je savais pas. Mon nom est Lanel. Grâce à toi, les esprits de la lumière ont retrouvé leur place en le royaume d'Hyrule. Oh, toi, élu des déesses.
le sombre pouvoir dont tu es à la recherche. Oh, cette terrible conjugaison. Ce terrible pouvoir repose au sein du temple au fond du lac Ilia. Cependant, n'oublie pas ceci. Les déesses nous avaient confié la tâche de sceller ce pouvoir interdit, afin que nul ne l'utilise. Peggy 18. Oh, c'est tellement Ocarina of Time. Dans un monde où rien n'existait d'autre que le chaos, les déesses vinrent et créèrent vie et ordre. Je vais faire l'arbre mojo. Elles allouèrent du pouvoir en égale proportion à toutes les créatures puis regagnèrent les cieux. Le lieu que les déesses foulèrent quand elles descendirent des cieux était appelé la Terre Sacrée. Les siècles passèrent et toutes les créatures pétries de sagesse et au cœur pur vivaient en paix. Tu te souviens, je t'ai déjà saoulé avec cette légende il y a quelques années. Moi, j'aime bien leur sortir. Cependant, l'existence de cette Terre Sacrée finit bientôt par se faire savoir dans tout Hyrule. Je sais pas ce que t'as pris, Link, mais j'ai eu l'impression que c'est de la bonne. Des êtres qui maîtrisaient les arts magiques firent leur apparition. Ils usèrent de leur terrible pouvoir magique pour tenter d'étendre leur joug sur la Terre Sacrée. Alors les déesses nous envoyèrent, nous, les esprits de la lumière, et moi, l'arbre mojo. Nous scellâmes alors hors de portée toute douce cette magie à l'incommensurable puissance. Vous connaissez cette magie? Cette puissance obscure n'est autre que le cristal d'ombre. Héros élu des déesses, prends garde. L'imprudent qui se saisit d'un tel pouvoir bien souvent ne tarde pas à tomber sous son emprise. N'oublie jamais cette terrible vérité. Et là, Link se dit, plus jamais les petites boules bleues. Le terrifiant pouvoir dont tu es en quête repose au sein du temple caché, au fond du lac Ilia. Tels furent les derniers mots de l'arbre mojo, qui a fait un caméo qui... Personne ne s'attendait. Est-ce qu'il n'y a pas un coffre au fond, là? Oui, non, peut-être. Je vois un truc là, mais je sais pas ce que c'est. Je vous dis merci d'avoir regardé cette partie de Twilight Princess HD. Alors bien sûr, ça en sera genre 2, mais bon, ouais, il faut ce qu'il faut. J'espère qu'elle vous a plu. Hein, là-dedans, on a quand même pas mal avancé, mine de rien. Certes, il n'y a pas eu de donjon, mais au moins, on a restauré la lumière. Enfin, dans tout Hyrule, on n'aura plus besoin de ramasser ces petites boules bleues là qui font craquer Link comme si c'était du LSD. Et on va pouvoir par la suite s'acheminer. Alors on aura un petit truc à faire avant d'aller voir dans le lac Ilia, me semble-t-il, d'aller voir le troisième donjon, le temple de l'eau. Vous l'aurez deviné, hein, forcément au fond d'un lac, ça va pas être le temple de la forêt. Et puis on vous dit à très vite pour la suite. Salut.